C'est sans complexe que les Grenoblois avaient abordé ce match important face à l'un des gros bras de la poule. Et c'est sans complexe que les Grenoblois vont trouver l'ouverture. On joue depuis 13 minutes. Mais la riposte columérenne sera immédiate et sur la poussée de leur pack, les banlieusards toulousains vont égaliser 7 partout au quart d'heure de jeu. Mais les Grenoblois avaient du mordant et du répondant et sur ce coup de pied à suivre mal négocié par le défenseur, Geoffroy Messina va redonner l'avantage aux hommes de Michel Ringeval. Silence de cathédrale à Colonier, ce n'était pas tout, on n'avait pas tout vu. Cette combinaison de trois quarts de très belle facture orchestrée par Liebenberg offrait à Wenbe le troisième essai grenoblois. Mais c'est en seconde période que les Grenoblois vont payer cette débauche d'énergie. Un arbitrage à la maison va permettre aux Columérins de revenir au score et de s'imposer finalement 31-22. Grenoble peut nourrir des regrets. Samedi, on remet ça face à Montferrand.